Bonjour, bonsoir, bon niveau, l'appétit, bienvenue de retour sur Dark Souls, et c'est bon, j'ai pu dormir, enfin dormir, c'est juste qu'il s'est passé 24 heures entre maintenant et la dernière fois, donc on va peut-être essayer de pas tomber comme un con dans les trous au bout des marches. Bon, en même temps, pour ma défense, la caméra était merdique, j'étais fatigué, je venais de jouer à un jeu qui s'avère être un jeu que j'attendais depuis longtemps, que j'attendais plus longtemps et qui s'avérait être une bouse, une petite bouse, pas une grosse bouse, hein, mais une petite bouse. Du coup, j'étais un petit peu déçu, un petit peu choqué déçu, un petit peu déçuné. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on reprend. J'ai perdu toutes mes âmes, tout va bien. Donc là, on descendait, péter la gueule à des... Ça fait bizarre l'effet de flou. Péter la gueule à des spectres. Ah oui, et il y avait plein de bonhommes inutiles qui regardaient les murs. Je me souviens de ça. Qui donnaient une vingtaine d'âmes chacune. Tiens, genre toi. Genre, je viens de me tromper de touche. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'allais utiliser une malédiction fugace. Voilà. Donc, du coup, pour éviter de trop perdre de temps, voilà, j'ai récupéré, ouais. On fonce! On fonce! Allez! Allons-y, let's go! C'est parti, les amis. Alors, où est-ce qu'elles étaient, où est-ce qu'ils étaient, ces spectres à la con, là? Il est bien fait chier, d'ailleurs. Et qui buguait. Je sais pas pourquoi, hier soir, ça buguait. Chaque fois que j'utilisais malédiction fugace... Non, j'utilisais malédiction fugace... Et ça marchait pas à tous les coups. Bonjour! À moi. À moi. Viens là. Non! Mais... Ah, c'est bien d'avoir malédiction. Ah! L'eau est bruyante! Allez, je vais vous mettre dans les conditions que j'ai, moi. Je vais peut-être baisser quand même mon casque parce que ça hurle dans mon casque. J'entends frouche, frouche, frouche! Pourquoi monsieur le destus quand même? Je me trompe dans les touches. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Non, malédiction fugace! Alors donc là-haut, il y avait une autre flopée de spectres qui m'attendent ici, normalement. Elle est cool, la musique de ce niveau. Ok. Ça, c'est... Ah, il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre ici. Et merde. J'ai pas le réflexe, je sais pas pourquoi. J'ai pas encore le réflexe, j'arrive pas à l'avoir, le réflexe de... se protéger systématiquement. Pourquoi il y a l'écran de fumée là-bas? J'aime pas ça. Ah oui, alors là, c'est faut rentrer, faut dire bonjour, et faut s'en aller. Bonjour! Oh putain! Je suis bloqué! Non, mais arrête de rouler! J'avais oublié à quel point c'était merdique, et quand vous faites tac 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 sur une touche, il fait une action, il attend, il refait l'action, il attend, il refait l'action. Il mémorise toutes les touches. C'est bien, c'est intelligent ça comme genre de jeu. 1, 2, 3, ok. Tac, j'ai récupéré. Mais attends, tout à l'heure ils sont 20, ils m'ont sauté à 20 dessus. Ma gueule ou quoi? Ah, d'accord, ils apparaissent carrément. Mais pourquoi je touche? Pourquoi je ne touche pas? Encore, 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 encore. Ça, tu mémorises que quand ça t'arrange, toi.
Ah bah voilà, quand même. Aïe. Oh ouais. Non. Ah oui. Yes. Ouh. Oh, oh. Est-ce que c'est la malédiction? Yes. Ok. Deux nouvelles malédictions fugaces. Bien. Ça y est. On améliore les choses. Bravo. Bravo le veau. Ok, c'est bon, ça avance. Je reprends ça pour savoir où est-ce que j'en suis. Est-ce que je passe par là ou est-ce que je passe par... J'imagine que par là c'est l'écran de fumée de tout à l'heure. Ah ! Ah ! Ah, le mécanisme ne bouge pas. Ah, c'est pour un futur... C'est un futur checkpoint, ça. Enfin, un futur... raccourci. D'accord. En attendant... Putain, elle est bien, la caméra. Elle est bien, je vois tout. Ah ! Ça, ça pue la merde, ça. Ça, ça pue tellement la merde. Il y en a un là. Voilà, toi je t'ai vu. Je t'ai vu, d'accord. C'est juste ça? Bah viens. Ah! Oh putain, la longe de con. Tiens. 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 Eh, il y en avait juste un. Je me suis dit qu'il y en a 20 qui allaient me sauter dessus. Bon non, ça va. Ok, cool. Suivant. Elle dure longtemps, la malédiction fugace, hein, c'est bien ça. Ok. D'accord, je peux pas le toucher tant qu'il a pas fini son animation d'arriver. Oh putain. Oh putain. Olé, pas toi. Tiens. Tiens. Allez. Alors du coup, là, ça mène au pont. Au pont qu'on a vu tout à l'heure. Une espèce de pont. Ah, j'ai plus la malédiction fugace. Ok. Donc, malédiction fugace. Fiole d'estus. D'accord. Ça dure quand même assez longtemps. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres points de fumée, donc je pense pas que ce soit réel. C'est pas un boss, là. C'est... Quoi que ça pourrait, hein. Oh! Je prends... Mais vise, putain de... La con de toi! Voilà, c'est bon, merci. Tiens, hop, il est trop loin. D'accord, il est trop haut. Ah, c'est con, quand il est trop haut, je peux... Je peux pas le toucher, bordel! Yes! On va pas tomber dans le vide, toi. Yes, c'est bon. Putain, battre un ennemi sur un pont, pareil, c'est chiant. Oh, 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 oh! Il est en dessous. Attends, j'attends qu'il revienne. Ah, voilà. Ah, remarque, avec un peu de chance, vu qu'il est plus bas, peut-être que je pourrais le toucher plus tôt. Ouais. On a un autre. Remonte. Allez. J'ai juste peur qu'il essaye de m'attraper avec ses deux faux, là. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Ok. Ah, ça avance, ça y est. 4200 âmes. Putain, ça va vite, en fait. C'est bien, ça. Pas un qui va me sauter dessus. Non, c'est bon.
C'est pas très rassurant tout ça. Bonjour. Y'a rien là. Quoi? Ah! Ah si, y'a quelque chose! Oh putain que si, y'a quelque chose! Oh, ils sont 20! Yes, lol! Alignez-vous. Alignez-vous, on va s'amuser. Oh putain! Le ciblage a failli me faire tomber. Et il se barre de là, carrément. Philippe! Je sais pas où tu te caches, mais je vais t'enculer! Allez! Ah. Non, c'est pas vrai. T'as raté. Allez, viens, aligne-toi sur mon pont là, sinon je vais tomber. Yes. Oh vraiment. Il est trop. Ah putain, il m'a touché. Ok. Ok. Il va pas la réapparaître là. Ah si, ils sont là. Ah putain. Mais ils étaient 5 en fait hein. Ok, et de 1. Mais viens, viens, reviens, 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 reviens. Pourquoi ils s'en vont? Mais je descends pas jusque là-bas moi. Putain. Ils viennent à chaque fois qu'il y a 3. Ah, ils viennent que si je vais au bout du truc. Là, ça passe ou pas? Là, ils viennent me faire chier ou pas? Ah, là, ils viennent me faire chier, d'accord. Donc, je peux pas passer la porte. Tant que je les ai pas butés. Ah, merde! C'est difficile de les taper, hein. Ils sont vraiment prêts! Non, 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 non! Ok, ok. Viens là, toi. Non. Yes. Tellement dur de les taper. Ok. Merde. Merde. Quoi? Quoi? Oh merde, mais j'avais plus la malédiction fugace, c'est pour ça. Merde, elle s'était enlevée. Pour ça que je pouvais pas le taper. Non. Yes, yes, ça y est, ils sont tous... Oh putain, yes, ils sont tous morts. Oh, la fin du vide. Bonjour. 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 Ah. Oh merde. Ah putain. Je déteste quand il fait ça. Il est trop haut. Merde. Ok, parfait. Ok, parfait. Du coup, est-ce que quelqu'un a fait un Dark Souls sans les défauts de Dark Souls? Mais du coup, c'est pas un Dark Souls. Y'en a un là. Hé, je t'ai pas vu. Ah! Ah! Y'en a plus que un là! Venez! Mais arrête de faire ça. Et... Tac! Tac! Oh là 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 là! Cette attaque, elle est dévastatrice hein, pour les... Pour les esprits.
Ah! Qui es-tu? Tiens. Ok. Personne peut me donner... Ah mais c'est cracouille là. Ah c'est parfaitement dégueulasse. Oh. Grimper. Attends, attends. J'ai pas vu tout ce qu'il y avait en bas. D'abord. J'ai pas visité le bout du couloir là. Et il y a un autre couloir que j'ai pas visité non plus. 10 000 âmes. C'est bien ça. Aïe! Aïe! Allez! Pouch! 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 Parfait! Je peux les toucher même à travers les murs, ça c'est bien par contre. Par contre, j'ai pas récupéré de malédiction là. Ça m'inquiète un peu. Ah, ça fait juste tout le tour par là. Ah! Oh là 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 là! Allez! Que dalle, t'existes pas! J'ai l'impression que ma malédiction elle va bientôt s'en aller. En même temps, je prends un peu trop mon temps pour les buter. Aïe! Oh putain! Est-ce que vous pouvez. Arrêtez de mettre les ennemis de rendre les ennemis inaccessibles. Allez, je vous laisse regarder, admirer le cul de Léa. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'aime pas ça. Quelque chose me dit que ma malédiction va bientôt s'en aller. Je vais peut-être attendre. Bah voilà, tiens. J'ai bien fait. Et allez, on croise les doigts. Faites que ce soit pas un trop gros boss infaisable. Oh, you are no different from the rest. So be it. Oh! I am Ingwood, the guardian of the seal. Qu'est-ce que tu me fais? D'accord, j'analyse ses attaques. Ah non, t'es mauvais là! Ah non, t'es très mauvais! Clénusso! Nice! Ok. C'était pas un PNJ, j'en sais rien, mais il me faisait peur. Ah, ça se trouve, c'était peut-être un PNJ, j'aurais peut-être pas dû l'attaquer en fait. Ah merde! Si, je crois que t'as tué un PNJ. Non! C'est vrai? Mais comment je pouvais pas... Comment je pouvais savoir? Il était au milieu de tous les ennemis. Et il avait une lance exactement comme tous les ennemis. Comment j'étais censé savoir? Merde! Ah ouais, non mais alors là, mon gars, j'ai envie de dire, voilà, hein? Tu vas pas... tu te promènes pas en forêt un dimanche après-midi en t'habillant, en te faisant un cosplay de cerf, tu vois? Si t'as pas envie qu'on te bute, faut pas le chercher non plus. T'as tué un gentil vieux barbu. T'as tué le vieux Gildas. Merde. Ah ouais, non mais je savais pas. J'ai tué un PNJ. Y a Roxane qui va se ramener. Vous allez vous foutre de ma gueule. Tixi, il a tué un PNJ. J'ai pas fait exprès. Oh, bonjour. Non!
quoi? À nos morsures maudites. À nos morsures maudites. Ah, dis-moi que c'est un genre de malédiction permanente. Vise-le, bordel de... Merde! C'est le cas ou pas? Augmente la résistance aux, aux malédictions. Ah, j'ai pas eu de malédiction jusque-là. À part celle des objets. J'ai l'impression que je vais bientôt plus avoir de malédiction fugace. Une pensée pour Ansel. Ok. Alors eux, je les ai butés. Là, c'est le chemin. Voilà. J'ai buté un PNJ. Oh, des os, pas des os, là, pour le coup. Ok, cool. Ah, il y a autre chose encore en bas. J'ai peur, j'ai... Bah... Non, c'était pas un spectre. Oh! Grande titanite verte! Allez! Paf! Encore une amélioration d'armes. C'est bon, ça. Est-ce que je peux avoir des malédictions fugaces très vite, s'il vous plaît? Ça sent le... Ouais. Ça sent le raccourci, ici. Ah! Mécanisme ne bouge pas. Ah, c'est peut-être ici que je vais le faire débouger. Bonjour. Bonjour. Ok, bonjour. Arc composite, grande flèche, d'accord. J'en ai pas besoin. Ah, quoique les l'arc pour les battre, eux, c'est peut-être une bonne idée en fait. Hein. Plutôt que d'y aller à la zob avec mon truc là à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Un! Poussez levier! Yes, dis-moi que j'ai débloqué le machin! Allez! Oh! Ah! C'est comme ça qu'on accède de l'autre côté. Ah! Bah, je viens de débloquer un truc. Yes! Et du coup, maintenant, peut-être que... Yes! Ok! Oui, bonjour! 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 Salut, Odin! Sur Twitch. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. T'as pas vu? Je descends. D'accord. Et là, c'est le raccourci, du coup. Oui ou non? Oh. Ah non, c'est pas le raccourci. Oh putain, non, que c'est pas le raccourci. Yes! Qu'est-ce que tu racontes, Odin, de beau? Ça fait longtemps. Tu nous as manqué. Enfin, moi, en tout cas. Bah, du coup, je vais peut-être pouvoir avoir ça, ouvrir ça, dans l'autre, de l'autre côté, là-bas. Mais j'ai peur de me faire ouvrir, en fait. Là, j'ai plus l'effet... J'ai plus l'effet de la malédiction, là. Yo. Yes. Ça va bien? Bah, ça va. J'ai pas peur. Ah! J'ai pas peur du tout. C'est dégueulasse. Oh! Bonjour. À moi, maintenant. Oh, putain! Il a beaucoup de vie, lui. Ouh! Joli enchaînement, mon ami.
2, 3, 4, 1, 2. Ok. Qu'est-ce qui me fait faire ça? Pourquoi il fait ça? C'est un bouclier? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait... ça bouge... ça fait pas bouger ma vie. Allez, attaque-moi, fais quelque chose! Ah d'accord, ça... oui d'accord, c'est un gros bouclier quoi. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Monte vite, 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 vite. Oui. Je suis accro à Apex Legends. Oh non. Je suis désolé. Mes amis, c'est ainsi que nous disons adieu à un ancien bon joueur. Une personne qui avait du goût. Odin sur Twitch. Parti trop tôt. Je prends un autre retour ou pas? C'est quoi Apex Legends? Une daube dans le genre... dans le genre truc ouvert MMO... Battle Royale. C'est le Fortnite de EA, c'est ça. C'est exactement ça en plus. C'est le Fortnite. Melou! Mel rêve! Je retourne à la maison là, hein. J'ai un peu peur. Et je retourne au dernier feu. Un os de retour. Et je vais utiliser mes 20 millions d'âmes. Ah! Et surtout que j'ai plein d'objets à équiper. Enfin, plein d'âmes à utiliser. Alors, une âme de guerrier anonyme. Oui. Fouche. Trois grandes... d'accord, j'ai que ça, j'ai ça... Bon, j'ai pas envie de me faire chier. Je vais les mettre directement dans l'inventaire. Tac. Et j'utilise l'autre. Une âme d'or. Tac. 1000 ça, non? 2000, yes! Ah oui, ça valait le coup. Tac. Un battle royale, je m'en voudrais toujours. Mec, t'as tellement de... t'as tellement de d'autres jeux à faire. Allez! Oh putain, la vache! Alors, en vrai, j'aurais peut-être autre chose à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déjà joué à Dark Souls qui pourraient me répondre? J'hésite à faire une chose. C'est-à-dire que si je rencontre des ennemis un peu du même genre que les âmes, ce serait d'améliorer un arc ou une arbalète. L'arc composite, il a l'air bien. Ah bah ouais, il a l'air vachement bien. Est-ce qu'il y a vraiment des meilleurs arcs à trouver plus tard? Ou alors est-ce que l'arc composite fait partie d'une des bonnes armes de jet là où j'en suis? Et que ça vaudrait le coup d'en faire un plus 5. Parce que là j'ai des âmes. Je pourrais partir en faire un plus 5. Est-ce que ça vaut le coup? À part ça, Hollow Knight est le premier sur mon planning. Ah bah j'espère bien, Hollow Knight, c'est un putain de jeu. Personne n'a joué au jeu pour me répondre à ma question ? J'hésite à augmenter l'arc composite. Parce que c'est soit ça, soit sinon... je peux augmenter mon niveau 3 fois, 2 fois. Oh, je peux le faire que 2 fois. Ah putain, et du coup j'ai pas du tout assez pour aller... Moi j'y ai joué, je trouve que tout ce qui est arme à distance était à chier, mais j'ai pas joué très longtemps donc je suis pas expert. Ah, les souls sont juste après sur mon planning. Ah, et aussi... Merde, excuse-moi... excuse-moi pour la... Non, voilà. Je sors de chez le dentiste. Ah, bravo.
faut prendre soin de ces quenottes. J'ai bien envie d'augmenter encore une fois l'endurance. Il n'y a vraiment que l'endurance qui m'augmente le poids d'équipement. Ah. Invoque Roxou pour te confier, pour te conseiller. Ah. Ouais, mais je crois que Roxou, elle est pas sur un bon jour. Oh non, j'ai fait Alt-Tab. Oh, c'est bon, j'ai pu retourner au jeu. Ok. Ok. Bah ouais, mais je crois qu'elle se sent pas bien aujourd'hui. Mais est-ce que quelqu'un peut aller lui... peut poster un message sinon sur Discord. Du coup, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup que j'augmente l'arc composite? Attendez, à la limite, je peux aller voir. On peut attendre un petit peu. Je vais aller me diriger vers le forgeron et je vais voir ce qu'il me dit. Ça se trouve... S'il me dit « Donne-moi... » 15 000 âmes pour faire un arc composite 5. Voilà, non. S'il me dit donne-moi 4 000, je fais ah, hein, peut-être. Parce que j'ai déjà du titanite sur moi. Hein. J'en ai pas mal. Vas-y, monte s'il te plaît. Putain, il est classe. J'ai l'équipement qui est pas mal. Ah, et puis comme ça, je vais en profiter pour réparer les trucs. Il m'a mis la moitié du visage dans le coma. Ça va rester ainsi pour encore 3-4 heures. Oh, prends une photo. Oh, excuse-moi, mais je trouve ça drôle. Bonjour. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Et petit bonus, il y a une chance aléatoire pour que demain je sois pris d'une effroyable douleur à la dent. Ah merde! Lance un dé. Feu droit devant. Ennemi droit devant. Ennemi. Humanité requis. Rien que d'entendre ça, ça fait plaisir. Quoi le piédestal déjà? Trésor droit devant. Ils savent pas de quoi ils parlent. Les gens. Moi je mets un message! Ok, alors. Conclusion. Combien tu me veux pour augmenter un arc composite plus 5? Oh! Ah oui, c'est vrai qu'il y a la braise divine! Oui! Tac! Renforcer arme. Est-ce que je peux renforcer... Putain! Ah non, je peux pas, il est pas dans les propositions. Renforcer armure, acheter équipement, acheter objet. Le titanite. Oh! Oh! Je peux transformer ma hallebarde plus 5 en hallebarde divine qui ne fera plus 165 d'attaque mais 111 d'attaque plus 136 de magie. Enfin, je pense que c'est plus. Oh! Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de le faire. Allez, je le fais. Allez, fuck it. Je n'ai qu'une seule vie. Go! Ok. Alors, est-ce que je peux renforcer maintenant ou pas? Est-ce qu'il a le pouvoir de le faire? J'imagine que non. Ah non, il peut pas. Ah si! Ah, il me faut une grande titanite verte! J'en ai une, non? J'en ai une de... Don't get yourself killed. J'en ai une de grande titanite verte. Roxanne ne sera pas là avant 25 minutes. Alors, c'est pas une grande titanite verte, c'est autre chose? Attendez. J'ai un éclat de titanite bleu. Tu l'as consommé pour faire la barre divine. Ah d'accord, je croyais que ça consommait juste la...
la tablette. D'accord, ok. Ok, mon mauvais. J'ai 16 grandes flèches. Alors du coup, combien il me demande pour... Oui. Alors déjà, attends, je vais réparer mes équipements. Mon écusson végétal. Nos âmes, ça va. Les gîtes tant qu'à faire, pourquoi pas. L'armure en cuir aussi. Casque chez l'élite. Armure chez l'élite. Tanker chez l'élite. Jambière chez l'élite. Ok. Ensuite, renforcer armes. Donc l'arc composite en arc composite plus 1, ça fait plus 5. Ce qui fait qu'au final, je pourrais avoir plus 25, ce qui fait que je serai à 80. 80 plus les flèches à 60, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal du tout. Il augmente pas, lui, après les flèches. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça me coûte un fragment de titanite et 200 âmes. Bon, en soi, ça coûte pas trop cher, donc pourquoi pas. Un, deux, après il me donne deux fragments. Deux. Et pour la dernière, il me demande trois fragments. Un fragment coûtant je sais plus combien. Du coup, flemme d'acheter du fragment. Bon, gigot. Je re peut-être tout à l'heure. Ça marche, Odin. Et coupe-moi ce jeu de merde et joue à Hollow Knight. Ok. Ça sert à rien que j'achète plus. De toute façon, on va le tester, voir ce que ça donne. Je peux pas... Attends, je peux pas acheter d'armes chez toi. Acheter objet. Ah oui, c'est vrai qu'il avait des trucs chelous. Ouvre les portes au cœur de la forêt. Ça, ça me titille, ça. On va faire ça, tirer 1. Les bâtards, hache, hachelon, lol. Pique de guerre, 16 piques, tout ça. Ah oui, il a des flèches. Il a des grandes flèches, des carreaux. Il a des grandes flèches. Putain, mais tout se paye en âme. Hein. Oh 50 âmes la flèche! Wouah! Putain, ça coûte cher! Ah, mais c'est des grandes flèches! Les flèches simples, elles sont à 45 de dégâts, ça coûte que 10. Enfin, ça relativise un peu de voir qu'il y a 50 à côté, quoi. Après, j'ai envie de dire, un niveau, ça coûte 1000, donc pourquoi pas en prendre un petit stock quand même. Genre 100 flèches. Non mais... Ta race. La mission annulée de base. Ouais, genre 100 flèches. Ça, j'en prends 4 de plus. Voilà. Comme ça, je peux me payer mes deux niveaux toujours, là. Roxane. Oui, les armes, vas-y, full. La hallebarde divine. Ça marche. Il va pouvoir tuer les squelettes. Ouais, les arcs, c'est bon aussi. Ah! Ok. Merci. Du coup, j'ai 15 000, je peux encore faire mes deux niveaux. Donc peut-être, tant qu'à faire. Ça coûte 800, il m'en faut 3, 2000. Ouais, je peux encore le faire. Ok. Donc renforcer l'arme. On fait la plus 5. Voilà, très bien. Voilà. Et là, je vais me mettre mes deux niveaux. D'ailleurs. Et du coup, non. J'ai toujours le réflexe. Faire menu d'appuyer sur Y. En équipement, en deuxième, je vais m'équiper de l'arc composite plus 5 avec les flèches classiques. Ah! Ah, j'équipe pas les flèches! J'équipe pas les flèches? D'accord.
Ah, voilà. Et dès qu'il s'arme pour utiliser son truc, d'accord. Mais là, du coup, il va utiliser quelle flèche? Ah, il les a pas équipés. D'accord, ok. Alors, comment je peux faire pour équiper les flèches? Comment je peux... Il n'y avait pas les flèches. Comment je fais pour les équiper les flèches? Ou alors c'est... Là, il faut que je spécifie les flèches avec. Équiper, retour, modifier, modifier, acheter, statut. Elle arrive dans 10 minutes. Pas de soucis, pas de soucis. Comment je fais pour équiper les flèches? Bordel de merde. Bah équipe-les tes flèches. Bon. Ah là! Flèche! D'accord. 120. Ah! Ok. Et comment je change de flèche? Comment je change de flèche? Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire des trucs à la con comme ça. Comment je change de flèche? J'ai pas envie de faire de conneries et d'utiliser ces flèches-là. Donc dans le doute, je vais le retirer. Voilà. Ok, je fais ça. Je prends mes deux niveaux. Voilà. Et je vais tester les flèches pour voir ce que ça fait en niveau dégâts. Bon appétit, Chief. Ah, bon appétit à vous deux. Des bisous les copains. Bon app. Mangez pas trop épicé, hein, sinon vous allez le regretter quand vous allez aller chier dedans. Je sais de quoi je parle. Ok, donc il me faut des grandes titanites vertes, du coup. Pourquoi je peux pas le viser de loin? Ah, quand même. Bon, il va falloir l'aide de Roxane pour me dire exactement comment on l'utilise. Oh la vache. Oh l'enfoiré, genre t'esquives toi. 183. Oh, putain. Ça fait du bien de voir ça quand même. D'accord, donc je fais une petite centaine du coup avec le truc augmenté. Mais ce qui est con, c'est que... Comment on fait pour... Faut apprendre à tirer avec ça. Alors, comment on fait? Si je m'aligne au niveau du bras. Pas du tout! Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, non. D'accord. Ah oui, ça fait... Ah oui, d'accord! Alors ça aligne que la hauteur. Y'a pas un mode de visée là-dessus? Oh ta race, putain. Il me cherchait en plus le con. Ah merde, y'a pas de mode de visée, j'ai l'impression. Je l'ai presque one-shot. Je l'ai tout shoté. 160! Glups. Merci, voilà pas vous aussi. Ma pizza sort du four. Faut pas augmenter une stat pour les... Ah si, c'est vrai que j'ai pas les stats pour aussi, c'est vrai. Il y a peut-être ça aussi qui joue. Oh! Oh, le quasi one shot! Oh, il a pas kiffé! Oh là 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 là! Du cul. Ok. Ça me va. Lol. Il y a des petits...
Les petits trucs chiants. Ah, tiens, vous allez pouvoir me le dire, ça. À chaque fois, il y a une ligne au centre de mon écran qui remonte comme ça. C'est chiant, ça. C'est quoi? Je sais que c'est en rapport avec les graphes. Euphism. Je sais jamais ce que c'est exactement comme réglage, ça. Le sanctuaire de l'Ishfe. Ok. Ligne horizontale. Ouais, tu sais, comme t'as une ligne horizontale qui fait ça, puis qui monte petit à petit et qui décale un petit peu tes graphismes. Ça fait ça de temps en temps. C'est rare, mais c'est très rare. Un peu façon VHS, tu vois. Bon, allez. Tac, ça c'est fait. C'est la V5, d'accord. Ok. YouTube. Ça va s'arrêter là pour toi. J'espère que t'as kiffé quand même, évidemment. Hein, parce que buter tant de spectres, quand même, c'est pas rien. En tout cas, si t'as kiffé, évidemment, comme d'habitude, tu mets un pouce. Je te fais une blague, mais je te dis à la prochaine. Ciao.